Mais elle avait chanté quelque chose. Quand elle chante, ça, vous ne voyez pas. Voilà, merci Niralda. Voilà le genre de commentaire que je veux voir. Waouh! C'était joli ça. C'est un chandelier, c'était quoi? Je sais pas, attends, je vais te dire. Un chandelier. Je crois que c'est un truc de chandelier. Merci beaucoup. Merci. Maman, Tu finis de m'insulter, tu avais demandé de me te débloquer. Elle te débloque pas. Moi-même, elle m'insulte. Elle vient de demander que tu la débloques sur ma page. Pitiation. Elle te débloque pas. Continue à insulter. C'est ça le plus. Que vous insultez les gens et après vous avez encore besoin de. Si je n'avais pas allumé mon live, tu allais faire comment pour lui demander ça? Elle m'a bien insulté là-bas sur TikTok. C'est vrai. Avec la lionne, non? Mais déjà, tu as la bosse. Mais déjà, tu as la bosse. Quand il y a des temps, il s'imagine déjà. Regarde, quand il voit comment il danse d'abord, quand il voit comment il danse d'abord, j'imagine un peu ce qui m'attend ce soir, Seigneur. Donc tu vas fuck up, on ne va rien dire. Fuck up, c'est quoi? Quand tu m'insultais, j'avais quel problème avec toi? Vous êtes les qui d'avoir venu parler dans le fuck up des gens? Quand vous fuck up là, qui vient vous parler? Hein? Après, ils vont dire que Oshiga est impoli. En fait, les gens sur la toile, ils pensent que parce que tu allumes ta caméra, eux, ils ont le droit de t'insulter en fait. Voilà ce qui me goûte. Et tu as juste le droit de te taire. Voilà ce qui me goûte. Si tu parles, c'est toi qui es impoli. Eh, Seigneur. Oh Seigneur, je suis quand même faute. C'est sur sa page, non? C'est sur la page d'Oshi. Maman, ça va. Tu as confirmé la confirmation. Attends. En fait, c'est une chanson. Elle avait une chanson américaine, non? C'est ça, non, Oshi? Writer. Writer. Seigneur, mais comme ça là, que tout le monde voit. Voilà. Oh là là. Là, tout le monde voit. C'est sur TikTok, les gars. C'est TikTok. Quand il parle de comme ça. Tu dois être fier quand il vient dans ton live. Parce que tu es qui, dis donc. Mais je dis que, est-ce que si il vient dans comme ça, est-ce que ça ne va pas arriver au fond? Tu as raison, je leur donne le micro les bas. Ne vois pas pourquoi. Ne vois pas pourquoi, parce que ça peut, le souffle peut. Moi, ça te donne l'énergie de la personne qui te parle la fois 10. Donc, concentre-toi sur moi. Tu as raison, la maman. Tu as raison. Mais ça, je suis en train de faire. La prospection. Ça veut dire que les 4 heures de sport, les 4 heures de sport que je fais tous les jours, là, c'est aujourd'hui que je vais confirmer ça. Oui, tu as raison, Elisabeth. Merci. Amen, s'il te plaît, tu représentes toute une nation. Je te dis. Amen. Pour le Cameroun, je dirais ça, pardon. On a failli. Ouais, c'est pas tout fâché. Diane, c'est les qui, non? Je ne connais pas. Patou était là hier, non, ma? Tu n'étais pas là, peut-être? Il était là, il a encouragé Amen dans cette bêtise, non, comme d'habitude. Il encourage vous dans ces bêtises. Non, non, il était toujours mannequin qui avait lancé. Patou, s'il te plaît, montez-vous dans les esprits. Ce soir, ça va faire. Patou, c'est un combattant. Non, Patou, non. Patou confirme le tout, c'est que son élément est puissant.
Non, 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 tata Vera, pas toi et toi, vous n'avez pas les mêmes intentions. Ne t'excuse surtout pas. Tu veux que je la bloque? Tu étais tes fantasmes sur ta vie. Voilà, Patou. Bonne arrivée. Hey, qui est? Maman Dani. Qui t'a insulté, Patou? Laisse tes bêtises que tu racontes là. Qui t'a insulté? Non, elle est folle. Et en plus, elle dit, je ne vais pas demander les excuses. Et comme vous ne demandez pas les excuses. On te demande les excuses par rapport à quoi? Toi, tu m'as demandé les excuses quand tu me descendais dans l'autre live là. Tu m'as demandé les excuses pour ça. Tu m'as demandé les excuses. Lui, il prend même pas dizaine seulement. Il prend les gars en dizaine. Il prend en brochette. Mon frère, il faut venir, te donne le charme. Passe-moi le médicament de ça. Non, la petite. Voilà, non, la petite. Ta mère, peut-être faut lui donner un peu. La petite. Ta mère, on demande que ta main est où? Ta main est où? On lève les mains, parce qu'on te connaît. Amen, ta mère est patient. Amen, ta mère est patient. Amen, ta mère est patient. Même son regard montre qu'il est patient. Ta main est patient. Je veux la voir avec la bonne bouche. Forcément, la bonne droite. Tu peux ne voir pas la bonne bouche. Hein? Il a fait quoi, les gars? Qu'est-ce que tu as fait? Il a tiré le string. Il a lâché le string jusqu'à ça qu'un pas. Maman Dani. Je dis que maman Dani, il ne savait pas que tu étais comme ça. Hein? Je ne savais pas que tu étais comme ça, hein, maman Dani. Donc si d'ailleurs on appelle les jeux chiens, allez appareil, les jeux deviennent petits, le web se dresse en bas, le web seulement comme ça qu'on parle. Vous comprenez donc pourquoi Patou veut gâter ma relation. Vous avez la raison. La première fois, il a fait la même chose. Oui, il a fait ça. Il a fait la même chose la première fois. Tu comprends alors pourquoi je change de combat et tout. Tu comprends pourquoi je combats mon problème d'infidélité. Chaque fois que je fais les efforts, Patou vient gâter les efforts. C'est que mais qu'est-ce que tu sais de ce qui va se passer? On cherche les gens qui mentent. Toi, tu cherches les gens
Gars, c'est le week-end, bah, tout seul chez toi, laisse-le. Le week-end n'est pas commencé. Ouais. Je suis au Charles-de-Ville, tu viens ou tu viens pas? Je suis au Charles-de-Ville. Bon, est-ce que tu es seul? Maman, mais après, je suis au Charles-de-Ville, tu viens ou tu viens pas? Tu es seul. Un nouveau fermier. On demande si tu es seul. Je suis seul. Ah, toi aussi, comment tu m'appelles quand tu es seul? Et vous entendez, il dit tu viens, il dit pas vous venez, hein. C'est tu viens. Non, pas tout, c'est un ancien camarade de classe. Voilà le truc qu'on a fait au lycée. C'est là, Bandi. Amé, tu es un Bandi. J'ai dit que Patou avait fait ça dès le premier jour. Il a déjà pris un verre avec moi, mais ça l'a pas empêché d'aller me chiba dans un live. Mais est-ce que j'invente? Mais il ne s'agit pas de lui, là, il s'agit de toi. Mais là, tu m'avais dit, là, maintenant, si ça va, c'est que... Pourquoi tu es fâché, Patou? Pourquoi tu es fâché? Non, pas. Calme-toi, Patou. Ce soir, c'est la fiance. Non, laisse. Mais si je suis pas là, elle a quoi les 53 cm maintenant, ça bouge. Comme ça, toi. Même si tu es fâché, c'est mais son gars. Bateau. Non, attends, il faut qu'il se vide. Il a beaucoup. Il avait des choses à me dire. J'aime les poils là. Il faut commenter. Il faut même pas reprendre. Comment tu peux demander si ton mari peut t'aimer pour ta mère, comme ta mère? Est-ce que tu peux t'aimer comme ma mère? C'est la question. Je vais t'aimer même plus que ta mère. Plus même pas comme. Oh là là. C'est un peu les avoir. Parce que c'est à debout de toi. Partout, c'est déjà debout depuis la manifestation. On peut même le live, non, vous partez les deux. On part. Vraiment. On est en train de passer, il est à 1h40. Je te dis. On demande que tu montes tes deux mains ici. La première fois que j'avais invité au Chida, c'est pas toi qui m'étais venu me donner deux filles.
plus sur nous maintenant. Mais maintenant, tu me trahis. Non, tu es fort. Mais c'était devant elle, non? C'est pas lui qui m'a donné le défi, là. Mais celui, il n'écrit pas. Hein. Il ne voit pas que Amère parle du passé. Hein. Il n'écrit pas celui. Il veut seulement gâter nous. Il veut seulement gâter nous tout ça. Après, il va venir te draguer après. Oui, non, il m'avait dit qu'il ne doit pas te faire confiance, qu'il doit lui faire confiance à lui. C'était pourquoi. Aussi, puis tu as fini avec elle. Toi, c'est ce que tu regardes les films pour nous. Parce que toi, là. Tu as les dégâts. Non, mais dites-moi, tu vois quelqu'un pour la première fois. Hein? C'est ton gars qui t'a invité à les retrouver eux tous. Parce que c'est lui qu'on a invité. Comme d'hab, c'est pas moi, c'est lui qu'on a invité. Moi, il m'a seulement demandé de venir les retrouver. Et lui, il me dit que ne lui fais pas confiance. J'ai dit que mais je dois faire confiance à qui? Alors, à toi. Il me dit oui. Je Wanda. Comme moi, il te voit pour la première fois. Comment tu dis que moi, je dois te faire confiance par rapport à quoi? Je mens. Partout, je mens. Non, c'est toi. Même elle aussi, elle m'a dit ça. Mais elle m'a pas demandé de lui faire confiance. Elle m'a juste dit de ne pas faire confiance à Amère. C'est tout. Toi, tu m'as dit de ne pas faire confiance. Et tu as, et je t'ai demandé, est-ce que je dois te faire confiance à toi alors? Moi, je demandais comme ça. Hein. Il m'a dit oui. Je pense que la fille a failli casser ma puce. Tu jamais dit ça. Non, voilà, jamais dit ça. Ok. Maintenant, il dit que c'est Sheila. Hein. Pourtant, quand il a fini de dire ça, c'est lui qui dit à Sheila qu'elle dit qu'elle a confiance en Amère. Donc, il pousse Sheila à me confirmer encore qu'en fait, tu ne peux pas te faire confiance. Oui, tu as dit. Merde! Moi, ce que je dis toujours que l'affaire de couple, c'est quand deux couples. Non, tu sauras que les corps, c'est là, mais c'est pas où. Parce que quand deux couples. Mais partout, je lui avais dit le même jour. Hein. Partout, je lui avais dit le même jour. Donc, ça sert à rien. Je lui avais dit ça le même jour. Franchement. En principe. Partout m'avait branché. Attends, j'explique. Partout m'avait donné la fille qui, la soeur de la fille qui brisait le poisson. C'est qu'elle est venue s'asseoir sur mon pied. Là, elle a failli me casser le pied même. Elle vient de dire à Richie que pardon, elle peut m'asseoir pour prendre la photo. Elle reste sur ma cuisse. Non, non, Charlie, ça c'est une vieille histoire. Hein. Ça c'est pas. Il veut faire l'argent comme si on s'est arrangé. Ça là, on en a parlé depuis. Hein. Ouais. Non, il était content. Il était content. Il dit que quand Amère faisait ces choses avec une gars ici, je veux pas citer son nom parce que je veux pas indexer quelqu'un. Il était dans le live en train de dire, le jour Amère a descendu de son live, s'il te plaît, partout, laisse-moi parler. Le jour Amère a descendu de son live TikTok, parce que Ingo lui a demandé, il était là. Quand ils étaient dans le débriefing, quand ils étaient... Bon, tu étais peut-être pas là, mais après, dans le débriefing, tu étais venu. Je peux parler. Je peux parler. Je raconte des conneries. Tu sais que je peux sortir le live là de son téléphone, non? Et je poste. Ok, je vais trouver le live là. Je vais couper la partie là et je vais poster. La partie où Patou dit... Je n'ai même pas encore dit ce qu'il a dit. Hein. Il dit déjà qu'il n'a rien fait. Je n'ai même pas encore parlé. Parce que tu sais ce que tu as dit le jour là.
Il a commencé à me comparer, à dire que moi, je suis trop agitée. Voilà comment il fait toujours, il ne laisse pas les gens parler. Et alors, je ne suis pas tanga, même si j'aime les problèmes, ce n'est pas ton problème. Voilà. Tu n'avais qu'à ne pas te mêler. Moi, je ne mêle pas tes histoires, ok? Voilà. Tu n'avais qu'à ne pas faire de commentaires sur moi. Il était dans le live en train de dire à Amer et à la fille là comment moi je suis trop agitée, vraiment. Elle est posée, elle est bien. S'il te plaît, tais-toi un peu, laisse les gens parler. C'est comment? Demain, ça va se gâter. À 6h et à 23h, ça va s'arranger. Se trompe, de la personne, non. Je ne me trompe pas. Je veux me tromper avec quelqu'un avec qui j'ai déjà pris un verre. Tu veux me tromper comment? Je connais pas tout. J'ai pris un verre avec lui. Tu n'as rien à expliquer. Tu ne me laisses pas parler. Tu es un menteur. Dis-donc, respectez-vous. Tu es venu après dire que je suis trop agitée. Et que la Gola, elle est vraiment calme, elle est bien. Donc, il était content, en fait. Comme il était content hier quand il défendait Amer, là, pour l'entrée. En fait, le problème de Patou, c'est que quand Amer vient à Paris, moi, je l'empêche de vivre sa vie avec Amer, en fait. C'est ça. Et peut-être il va aussi même Binda, hein, ça m'étonnerait pas, tu vois, non. Ça m'étonnerait pas. Mais il vous a montré ça, là, non. Mais la fille, si tu t'entends parler, tu dis que tu m'empêches de vivre la vie. Tu vois, je sors avec Amer. On ne sort pas. Mais tu, ton problème alors est quoi dans nos choses? C'est quoi? Comment tu vois donc? Quelle blague, dis donc? Tu n'as rien à me dire. Moi, je sais qui tu es. Fais ça pour les autres. Moi, je sais qui tu es. Tu n'as rien à me dire. Tu ne vas pas me convaincre de ce que j'ai entendu. Tu es un menteur. Moi, je ne supporte pas les faux. J'aime les gens qui s'assument. Voilà, sois un mec. Tu veux une gars, assume mon frère, sois un mec. Ça c'est quoi ça? Et tu veux me faire passer pour une menteuse? Tu ne peux pas parce que tout le monde me connaît. On sait que moi je ne mens pas. J'ai quoi à gagner? Pourquoi je ne dis pas ça des autres? Maman, il faut arrêter. Je ne me trompe. J'ai dit que j'ai pris un verre avec lui. Je vais me tromper comment? Patou, j'ai déjà bu avec Patou. Ok? Donc, je ne te connais pas. Ton nom, je ne sais pas lire. Écoute-moi, c'est parce que toi, je te parle pas, parce que je connais la vérité. C'est aux autres que je réponds. Maman de Dani, je ne me trompe pas, c'est lui. Et même toi, maman Dani, je ne m'étais pas trompée, hein, parce que si je veux fouiller la vidéo là, je vais trouver. Il y a d'autres personnes qui sont venues confirmer ce que j'ai dit, hein. Je ne me trompe pas. Toi, tu es intervenu, c'était la première fois que je te voyais. Partout, je le vois tout le temps dans les lives. Mais même dans mes lives, il monte. Alors, donc tu veux dire que, attends, maman de Dani, tu veux dire que le jour j'étais assise avec lui, en train de boire une bière, et qu'il m'a dit de ne pas faire confiance à un mec, je me suis aussi trompée. Non, l'autre là, peut-être c'est. Ok. Mais peut-être dans les lives. Je dis dans l'autre live là. Patou était en train de dire, c'était Patou. Mais Amel là, non? Est-ce que pourquoi il ne dit pas que je mens? Pourquoi il ne vient pas dire que je mens? Pourquoi il ne vient là, d'ici, je mens, s'il te plaît? Il va me faire passer pourquoi? Patou n'avait pas dit que je suis agitée dans le live là. Oshiga ne ment jamais. Voilà. Fille ma femme, tu me connais. Moi, je ne peux pas inventer les choses pour mettre sur les gens. Oui, non, vous ignorez quoi? Est-ce que je peux parler? En réalité, quand je suis en train de parler de Patou, c'est pas parce que je connais ce que Patou a fait. Moi, je prenais ça dans le cadre du film. Mais je vois que c'est sérieux, Patou. Je suis désolée parce que je ne savais pas que c'est. Partir à balle réelle ici. Non, moi, je crois que c'est. Attends, je sais que ça dit que tu ne comprends pas la partie. Moi, je crois qu'elle est en train de glacer pour dans les sincères. Sérieux?
Je n'invente rien, ok? Je n'invente rien. Déjà, il n'y a qu'à voir la manière dont tu m'as parlé tout à l'heure. Il n'y a qu'à voir la manière dont tu m'as parlé tout à l'heure pour voir quel type de personne tu es, tu comprends? Donc, moi, je m'arrête là. La personne qui veut me croire, me croit. Moi, je sais. Je sais. Je sais. J'ai pas besoin de discuter avec lui. J'y étais. Mais je veux plus discuter avec toi, en fait. Tu as dit que je mens. C'est bon. C'est bon. Voilà. Tu as dit que je mens. C'est bon. Chacun va se faire sa propre idée. Quand vous aurez vos expériences avec le personnage, peut-être. Et vous-même, vous me direz. Voilà. Moi, elle ne te connaissait pas. Je te déteste que tu me dois quoi? Je te déteste que tu me dois quoi en fait? Tu me dois quoi? Oui, tu es une merveilleuse personne. C'est pour ça que tu n'assumes pas ce que tu dis. Tu es une bonne personne. Tu n'assumes pas ce que tu dis. Tu n'assumes pas ce que... du respect? Tout à l'heure, tu me parlais de bouffer 53 centimes. C'était du respect? C'était du respect? Pardon, tu me laisses tranquille, dis donc. Dis-lui de me laisser tranquille. Tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. Tu blagues avec qui? Tu blagues quoi? Quelle blague? On a bavé ça, dis donc. Même pas les faux gens. Cette fois, on n'a pas l'autre fois. Qu'est-ce que tu vas comme ça? Laisse tomber, Patou. Laisse tomber. Patou, mon père. Patou, à un moment donné, quand il s'agit comme ça, l'homme prend du recul et il reste sale. Il ne discute pas avec la femme. Tu ne vas pas aussi nous couper la parole comme ça, comme si on était des gens. J'ai déjà passé. Moi, j'ai toujours dit à Patou. Et je dis ça devant mon chien. Patou, arrête de me donner les femmes. Patou, arrête de me donner les femmes. Chaque fois qu'on se voit, hein, parle. Je mets son pantalon. Bien, là, c'est comme ça. Là. Pas ce que tu parles là. Je porte le pantalon. Attendez, je parle. Chaque fois que je monte à Paris, tout me donne toujours deux gars minimum. Moi, avec Ali Kelema, je suis pas. Il pensait que non. La fille qui vendait le poisson, là. La fille qui vendait le poisson. Ok, il pensait que là. Non. Mais c'est la fille qui est venue s'asseoir sur ma couche. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois que toi, il ne t'agresse pas quand tu parles. Je dis, j'espère que ce qu'il est en train de dire ne va pas agir sur notre soirée. Amen, je suis d'accord avec toi. Ouais. Patou, ne me gâte pas la soirée, pardon. Accepte que tu as ton nom. Tu peux me gâter les affaires comme ça avant. Amen, chante ce amour. Oh, je vais l'aimer. Maman de Dani a tous les répertoires des chansons de Nias, tous les programmes. Tous les répertoires, les chansons de Nias. Maman Daniasa, mon frère. Les anciennes chansons, mais c'est stocké, c'est prêt. Prêt à l'emploi. Elle a mis la serviette. Tu t'en serviettes. Elle est à la serviette. J'ai fait 4 jours de route. Il mangeait sous mon table.
Bon, c'est que moi, je ne fais pas maintenant, que je suis trop fâchée. Je suis trop fâchée, je n'ai plus envie de faire. Comment ça? Elle est fâchée partout, demande les excuses. Maman, c'est 4 jours de route. Demande les excuses. Ah, même le kilométrage. Quand tu montais, elle n'avait pas cette humeur, elle était bien. Elle a déjà pas tout. Accepte ton tort. Et le problème, c'est que. Non, sur cette fois-ci, hein. Oshé a raison. Parce que la fille est venue s'asseoir sur ma cuisse. En plus, elle est assise sur ma cuisse. Elle dit à Oshé, est-ce que. Elle trouve Oshé assise de quitter sur ma cuisse, elle veut s'asseoir. Oshé aussi quitte sur ma cuisse, elle s'assoit. On pensait qu'elle allait faire la photo, elle reste seulement sur la cuisse. J'avais mal jusqu'à. J'ai dit à Brittany. Oshé, quand tu la pousses par maman. Elle était costaud, hein. Après, elle a fait casser mon bébé. Non, ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu la pousses pas là-bas. Non, elle m'a dit qu'elle voulait prendre une photo. Donc moi, je me suis levée pour qu'elle prenne une photo. Mais la photo là pour moi. Sauf que bon. 30-40 minutes sur mon pied. Elle a quand même fait 20 minutes sur mon pied. Oui, peut-être 15 minutes. Ouais, peut-être 15 minutes. Aussi, tu veux seulement quand même chance de pouvoir. Ouais. Non, il peut faire que la pluie descende ici. Non, le tout, c'est. Non, le tout, c'est on va manger le coussin. Tu te donnes là. Bon, tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es trop mignon. Non, c'est pas ça. Je ne comprends pas. Tu travailles demain à 4h, coupe le live. Les coups sont longs. J'ai fait 4 heures de route. 4 heures de route. Les 4 heures de route, là, il va récupérer ça. Ouais. En plus, le péage a coûté 40 euros. Donc, on est connu. Mais quand nous connaissons, on n'est pas fait la niasse là. Maman, j'ai peur que demain, c'est toi qui pleuches les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais? Maman, je dois niasse mon transport. Allez, le il y a aussi qui dit que Ahmed, quand même, tu vas souffrir ce soir. Tant pis pour toi si tu as pris le Viagra. Merci Elvis. Pourquoi vous connaissez ça? Oh, le gars, tu chauffes, après tu te gars, je suis fatigué, il dort. Comment ça? Oui, je suis fatigué. Finalement, je n'ai plus envie, je dors. Hein? Non, c'est 4 heures de route. Il y a le gel ici, là. Il y a beaucoup de gel. Non, tu peux pas dire ça, maman. Maman, le péage, aller le tout, le péage, c'est 20 euros, ça fait 40 euros. Hein. Ça entre dans mes poches. Ah, mais pardon, on ne peut pas même seulement le transport. Non. On qui? C'est mon agent. Après, il est devenu poussé, regardez-moi. Ouais. Amène, tu sens que la bouche que tu sais. J'hésite sur le modèle. Je ne sais pas si on prend le modèle avec la fourrure. Avec la fourrure ou avec. Elles sont toutes célibataires comme tu les vois là-bas. Il y a quelqu'un qui a tes nez ici. Même si c'est 10 heures de route, on s'en fout. Tu as dit l'autre jour qu'il y a le savon, non? Voilà. Tu vas savonner. Elles sont célibataires. Maman Dani, dis-nous. Maman, je ne connais pas. Non, laissez qu'elle vous prenne. Je ne connais pas. TikTok, je sais que même Paris va m'enlever. Mais même Paris va m'enlever. Allez, dormir. Tu connais. C'est comme ça, la paille là. Elles sont ses yeux, elle ne connaît pas. Non, c'est le truc que tu as fait l'autre jour. Non, j'ai une petite idée. C'est le soufflet du dragon, non? Le truc que tu as fait l'autre jour. Le soufflet du dragon. Ouais, avec un mec. Le soufflet du dragon, c'est encore quoi? Pardon, expliquez-nous.
faut qu'on se batte. Mais le silence là, c'est un genre. Maman, on attend maman d'aller continuer, non? Non, mais ça va dans la maison. Mais maintenant, il dit du dragon, ça veut dire quoi? Que le dragon crache le feu, il ne comprend pas. Il a vu un dragon. Non, les innocents comme ça, là, pardon, nous sommes innocents. Ah, mais quand même, même les bords, tu ne vas pas frôler. Même le bout. Non, le souffle là-bas. C'est pas tout qui m'a gâté la soirée. Elles sont seulement dans le Congo Saint. Elles ne sont même pas. C'est ça, non, Madani? Oui, mais ça souffle, ça va. Ah, elles sont célibataires. Tout fait d'abord, genre. Allez aussi dormir. Allez aussi dormir, non? Amen, déjà, vous l'avez que nous sommes les célibataires. Oh, pardon, coupons pas. Il a bien insulté, dit que pardon, laisse les gens s'ils sont célibataires. Je veux qu'avec eux. Je dis que... Il a raison, Emma. Il a raison, pardon. Il a raison, Emma, c'est vrai. Va t'occuper de ton gars. Je te dis, c'est ça, la vérité. Elles sont là. Elles vont passer toute la nuit là où elles sont là. Avec quand même négocier. Oh, on est pas les plus forts. Wow, salopard. Va là-bas. Oshi, nourris-le-moi, s'il te plaît. Non, ce soir là-bas, il va essayer avec le savon. Maman, c'est... comme ça, on va voir. Parce qu'il avait toujours qu'il y a le savon. Donc, il faut qu'il essaie un peu le savon ce soir. Et demain, il me dira. Ma chérie, c'est 4 heures de route. 4 heures de route. À l'heure, si c'est le moment. Ouais, maman. Il dit que maman, je vais t'acheter l'argent. Cousse-cuit, c'est comment avec toi? Cousse-cuit, ne fais pas entrer mon ventre. Regarde, elle a mis notre photo. Mais toi, tu es une bipolaire, vrai. Et l'autre photo là. Bon. Merci Sarah, n'oubliez pas de partager, hein, et de liker. Oh my God. M'acheter quoi? Oui, il va m'acheter tous les billets de banque. Ouais, merci. Bonne nuit. Manégan, il faut couper le live. Depuis que j'ai mangé une heure dans mon affaire. En tout cas, ça pourrait être bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Aussi, je suis d'accord avec toi. Il va d'abord faire le savon. Voilà. Il doit essayer le savon aujourd'hui. On voit un peu le goût que ça a. Il demande pardon. Moi, je vais vous donner des amènes. C'est un savon. Amen, c'est ce qu'il doit faire, non? J'attends qu'on conseille sa personne, nous conseille aussi, même quand même elle doit faire quelque chose. Demain. Tu n'avais pas compris que la monnaie existe jamais. Pour le moment, Dani, maman, tu es pas en train de faire ce qu'elle nous a fait. Regarde, on est déjà en train de détacher ses bijoux partout, partout. Maman, ok. Elle va nous faire ce qu'elle nous a fait. Maman, vous parlez, vous aimez tout le con, ça. Les histoires, les gens, vous mettez toujours vos bouches dedans. Voilà. Maintenant, on reste sur, maintenant, sur Facebook ici. On est déjà au revoir, on n'a pas le temps. Parce que c'est là que 2 heures du matin. Hein. Ah ouais. Je te dis, on est en train de sur montagne. Hein. Bon, les gars, chacun négocie sa part. Une étape, j'avais bon. Que quoi? Non, je n'ai rien dit. Bon, les gars. Je représente tout le village. Hasta la vista. Je représente tout le village. Tout le village va mourir le savon ce soir. Continue. À demain, les amis.